So, Townsend, venez, vous allez adorer. On a besoin de gars en pleine forme par ici. D'accord, Timmy. Feu ! J'ai consulté votre dossier. Et soyez tranquille, je suis prêt à me battre pour ma patrie. Tant que vous savez reconnaître la marche avant de la marche arrière, moi ça me va. Allez, prenez ça. Je vais vous présenter Big Bess, la femme de vos rêves. J'ai notre nouveau pilote, les gars. Tu parles ? Fiche-nous la paix, MacManus. T'inquiète pas, elle veillera sur toi, d'accord ? Bien, les gars. Là, c'est pour de bon. Nos ordres sont de percer la ligne allemande et de détruire au passage leur position d'artillerie. Finch, tout de suite. Vers la ville de Cambrai, où on m'a assuré qu'il y aurait du vin, des femmes et des chansons, ce qui devrait vous plaire. Ah, MacManus. Bon Dieu, vous êtes sûr qu'il sait conduire au moins ? C'est bon, MacManus. Compris, les gars. Faites votre boulot. Veillez les uns sur les autres, et Bess veillera sur vous. Et que le Seigneur ait pitié de nos âmes. On sortira tous ensemble, pas vrai, Edwards ? Oui, bien sûr. Plein gaz, pilote ! Ce pigeon pourrait vous sauver la vie. C'est notre seul moyen de communication. Ça va là-haut, Edward ? Oui ! Je commence à attraper le coup. Tu faisais quoi au pays ? Je conduisais. Une voiture. J'étais chauffeur. Halte ! Nous sommes assez loin. L'infanterie avancera au premier coup de sifflet. Ensuite, ce sera notre tour. Dieu du ciel. Quelqu'un a déjà vu une chose pareille ? Moi, oui. Hélas. Écoutez. Nous allons détruire les canons qui sont près de ce moulin. Laissez du champ à nos hommes. Voilà le signal. Largage ! Vous voyez ce char, Edward ? Ne nous embourbez pas comme il l'a fait. Ils ont eu l'un des nôtres! Regardez fort! Roulez! Allez ! Les vaches ne partiront que si on les y oblige !
sûrement d'autres canons, les gars. Hey, Finch, t'as vu ça? C'est mort!
surtout avancer. Et toi, préparez-la et rentrez à l'intérieur. On se dépêche, pilote. On a pris à bord un maudit Jonas et Finchy est mort. Nakmanus, ressaisissez-vous. Nous à ce village, pilote. C'est là que leur artillerie est retranchée. Occupez-vous vite. Il est venu d'où ce tir?
Richard, faisons en sorte que Finch ne soit pas mort pour rien. Touché! Un canon, vite, détruisez-le!
venant du front. C'est Tansen. Ordre de tirer. 3, 1, 4, 2, 3. Dépêchez-vous. Bientôt la fin. Content d'avoir servi avec vous. Vous avez une veine de pendu, Tansen. Vraiment? Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Des ordres aveugles? Et le hasard? Dans tous les cas, on va y passer. Je ne peux plus vous entendre, MacManus. C'est bien clair. Très bien, sœur. Edwards, démarrez. Je ne vois pas à plus de 20 mètres. Nous progressons. Edwards, je vais conduire. Sortez et partez en éclaireur. On ne joue pas les héros, compris? Tâchons de tous arriver en un seul morceau, d'accord, Edwards? En cas d'ennui, on sera juste derrière. Vous en occuper. Si ça tourne mal, on viendra à votre secours. Sinon, on amènera Best dès que vous donnerez le signal. Attendre ici. Vous savez ce qu'il faut faire, Edward.
Edwards, vous voilà, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites, imbécile? Vous ne voyez pas qu'ils attaquent le char? Ce sont ces Allemands dont vous êtes censé vous occuper. Edwards, il faut réparer Bess. Bon travail. Reculez, je vais franchir les barbelés. Je n'y vois rien. Edwards, passez devant et guidez-nous. Et ne vous éloignez pas trop. Des ennuis nous attendent. Partez en éclaireur et si tout va bien, envoyez-nous un signal. Nous viendrons vous aider si nous entendons du grabuge. Vous avez réussi à nous amener ici, Edwards. Continuez jusqu'à ce que nous soyons sortis de ces bois.
terme. Imbécile, reprenez-vous. On compte sur vous pour s'en sortir. Fess a pris une raclée. Prenez vos outils et faites au mieux. Bon travail. Faites attention à vous, on va s'occuper de ça. Je n'y vois rien. Edward, passez devant et guidez-nous. Et ne vous éloignez pas trop. Jusqu'à ce que nous soyons sortis de ces bois. Nous sommes tous fatigués, mais vous allez devoir de nouveau nous dégager la voie. Allez-y.
Vous allez devoir veiller sur nous. Bess est en piteux état. On a failli la perdre. Selon la carte, on devrait bientôt être sorti de cette satanée forêt. On doit d'abord traverser le pont qui est ici, et ensuite ça ne devrait plus être long.
bien, ça suffira pour la journée. Edwards, grimpez et prenez les commandes, fichons le camp d'ici. Edwards, vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière. Armes prêtes et en avant, sortez-nous d'ici. Qu'on change les bougies. Vous devez localiser le village. Alors, vous le voyez? Vous voyez le village? Oui. Oui, je le vois. Et dites-moi si vous voyez nos chars. Est-ce que vous voyez nos chars là-bas? Edwards. Oui. Mais ce ne sont plus les nôtres maintenant. On dirait que, pour le réparer, on va devoir aller dans ce village. Très bien. Allons-y, Edwards. En route. Bonne chance. Il sera mort avant l'aube et le char bougera pas. C'est foutu. Quoi? Vous voulez qu'on abandonne la mission? C'est pourtant clair, Finch, Pritchard, nous tous. Tout le monde s'est fait avoir. Si c'est ce que vous voulez, McManus, foutez le camp. Je vous interdis de me parler comme ça. J'ai plus de missions à mon actif que vous n'en aurez jamais. Et foutez-nous la paix. On va s'en sortir tous ensemble, tu parles. Allez, trouver les pièces, réparer le char, ne pas mourir.